Bonjour, Danielle Saint-Jean, je suis contremaître parc et terrain de jeu aux travaux publics de la ville de Granby. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous accueillir pour les portes ouvertes. Aux travaux publics, en fait, on pouvait voir toutes sortes de machineries, que ce soit les machineries de la Caduc, les machineries de la voirie, les machineries des parcs. Et on avait aussi toutes sortes d'autres activités, particulièrement pour la mécanique. Donc, vous pouviez voir des gros camions, voir l'intérieur des roues. On pouvait voir des systèmes de plantation, on donne des petits arbres, comment sont faites une bonne fontaine, qu'est-ce qui se passe quand on a une fuite d'eau. Donc, toutes sortes d'événements qui vraiment rallie tous les membres des travaux publics de la ville de Granby. Bienvenue au département des parcs et espaces verts. Une de nos tâches, c'est de planter des arbres, des fleurs, des annuels, des arbustes. On installe du pavé, on a les tracteurs, les camions, puis les gens peuvent visiter le département 5S, magnifique. Il y a plus de 33 000 plantes qui sont plantées annuellement. Un autre truc qui est vraiment important pour nous dans la ville et dont on est très fiers, c'est qu'on n'utilise aucun pesticide, aucun pesticide. Il y a plus de 5 millions de mètres carrés qu'on entretient. Dans le département des parcs, on a diverses sortes de machinerie. Ça passe de la camionnette ordinaire, la camionnette à benne basculante. On a aussi des tracteurs à pelouse, des rétrocaveurs sur roues et diverses machines pour entretenir les parcs. Sinon, on a le camion ici, nous on l'appelle la trompe d'éléphant pour arroser nos plantes suspendues. On a monté un stand d'arcade pour pouvoir identifier des espèces exotiques envahissantes. Je ne pensais jamais qu'il y avait autant là, de matériel, autant d'employés, autant d'équipements. Et puis, je pense que c'est très intéressant d'avoir là, des choses qu'on ne voit pas en temps normal. Ce qui m'a amené aux portes ouvertes ici, c'est en travaillant pour une autre municipalité, j'ai voulu comparer nos méthodes de travail, nos équipements. On fait partie d'un comité santé et sécurité, puis on voulait venir chercher des idées pour notre ville, dans le fond. Fait le tour, on a vu l'atelier mécanique, on a vu les bâtiments, parc et espace vert, on a vu la flotte de véhicules aussi. Le personnel était très gentil et courtois, nous a bien expliqué les méthodes de travail, leur fonctionnement, leur équipement. Les autos de police, ça m'a vraiment impressionné. Moi, c'est le 5S, ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est libre par terre pour nettoyer, puis l'arrangement, retrouver des outils, savoir qui l'a. Je trouve ça vraiment bien, puis c'est une affaire que j'aimerais bien amener de notre côté.